Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo déballage, nous allons vous présenter l'un des nouveaux bijoux de la marque Asus qui vient de débarquer ici en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. C'est le Asus ZenBook Pro 14, un PC hyper puissant qui vient répondre à tous vos besoins en matière de PC, en termes d'innovation, de performances techniques et de mobilité. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Je suis Aboukam du site aboukam.net, votre média 100% digital. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur les nouvelles technologies qui débarquent ici en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Donc, sans plus tarder, on va faire le déballage. Le PC est élégamment bien présenté sur le paquet Asus ZenBook Pro. Les chargeurs, les câbles de chargeur qui est là. Ensuite, la prise Mirai qui permet de charger. Ensuite, on a ça, c'est un adaptateur, Asus. Ensuite, on a l'élément le plus important qui est l'ordinateur, le PC Asus, comme vous pouvez le voir. C'est bien marqué là, avec son beau design qu'on aperçoit déjà. Donc on va le regarder avant juste de l'ouvrir. Voilà, vous voyez déjà le design, le beau design de Asus, la marque de fabrique de la marque Asus. Voilà. Pour voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Juste à la fin, on a ce sac, ce petit sac, juste pour mettre le PC dedans. Voilà. Je vais vous montrer ce que vous voyez. Voilà. C'est un sac dedans. Juste pour insérer le PC à l'intérieur. Voilà. Vous voyez déjà l'écran qui est pas mal. Perçoit déjà l'écran pour rapport. Juste, on va essayer d'explorer le PC d'abord. On a une des fonctionnalités, le ScreenPad. Donc déjà, on va tester cette fonctionnalité du ScreenPad avant de passer à la vérification des caractéristiques techniques. Et cette fonctionnalité marche avec la touche F6. Voilà, F6 qui permet de basculer d'un écran à l'autre et d'une fonctionnalité à l'autre. On a la fonctionnalité basique qu'on a lorsqu'on appuie le F6 juste. Voilà, c'est la fonctionnalité qu'on a accès. Donc on touche juste là et on a peut jouer de la musique ici, du son, comme vous le voyez. Ensuite, l'autre fonctionnalité à côté, on a le calendrier et tout, on peut consulter rapidement. Côté, juste une carte à disque pour
femelle, les cabinets, la ce que vous voulez. Voilà. Nous allons tester juste la fonctionnalité multitâche pour vous montrer qu'on peut exécuter plusieurs tâches à la fois. Mode pavé est actif. Là, on revient à notre PC normal et vous utilisez comme notre PC habituel. Traditionnel que vous avez. Et ensuite, pour désactiver, vous continuez juste avec la fonctionnalité suivante. Voilà. Et pavé tactile est désactivé juste à la fin. Ouais. Donc, c'est ici les différentes fonctionnalités du pavé numérique qui vient apporter le plus aux utilisateurs du Zenbook. Une fois qu'on est dans le système, voilà les caractéristiques techniques que vous pouvez voir ici. Voilà. En plus de 8 Go de RAM, on a du GetForce GTX qui est vraiment une bonne nouvelle pour les gamers et une capacité de 10 Go qui va jusqu'à 1 Tera pour stocker toutes vos données. Sans limite, presque sans limite, avec les 1 Tera qui fait 1000 gigaoctets. Au niveau des fonctionnalités du clavier, qui est une innovation, c'est qu'on peut allumer le clavier la nuit quand on en a besoin et aussi on a la possibilité d'éteindre. Ensuite, on a l'écran en termes de luminosité. Avec la touche S5, on peut le gérer facilement, on peut l'augmenter et le gérer à notre guise en fonction de la luminosité de nos ciel. Les touches de fonction juste en haut, on a d'autres fonctionnalités comme le volume et qu'on peut régler à ce niveau. Encore, on peut couper le volume. En plus, on a d'autres touches de fonctionnalités que vous pouvez avoir ici, écharpe avec. Qui vous donne autant de possibilités avec les différentes fonctions comme le clavier. On a un port USB normal de type 3.0. Ensuite, on a un port de 4 mémoires que vous pouvez insérer ici et le périphérique audio du microphone. À côté de ça, on a la lumière qui monte le signal de la batterie et aussi de la disque dur. Juste à côté. Pour revenir, vous avez en tout 3 ports USB, 2 ports USB qui sont vraiment normaux, avec un port USB en plus de type C qui permet de faire l'échange de données beaucoup plus rapidement et les utilisateurs de smartphones en savent mieux sur le transfert de données de ports USB de type C. Et c'est quand même une innovation sur le Zenbook. Juste en bas, le design du bas, on a les deux haut-parleurs qui sont certifiés Harman Kardon. Ensuite, on a le petit tour de refroidisseur qui permet vraiment de refroidir le PC. On a aussi le système de refroidisseur qui est en haut. Cela est possible grâce à la technologie Ergo Live qui permet au PC de ne pas toucher, de ne pas fermer totalement les ports d'évacuation de la chaleur, juste en bas, comme vous pouvez le voir. Après le déballage et la review du Zenbook Pro que vous voyez dans ma main, on peut dire que c'est le PC idéal pour tout le monde, particulièrement les professionnels, les gamers, les développeurs et les designers qui font vraiment pas attendre avec ce PC qui est ultra rapide et puissant. C'est l'une des particularités de ce PC en termes d'innovation. Et vous pouvez trouver le Zenbook Pro au niveau du magasin de la FNAC disponible là-bas, vous pouvez l'acheter. Je vous recommande fortement ce PC qui est ultra performant. Pour gagner beaucoup de temps et être beaucoup plus performant.
partout où vous êtes et à tout moment. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la notification pour ne rien rater des nouvelles technologies qui débarquent ici en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire.